it's all said and done, there's nothing left to do. They don't remember the nights or remember the stories where all the wishes come true. Now I don't need a reason for dreaming, 'cause I still keep those memories alive. If your heart is still beating, you know all your dreams will survive. A heartbeat away, just a heartbeat from yesterday. Mais tu tires toujours dans le vide. Donne-moi ma carabine. Tu vois la patate? T'as-tu vu ça? T'avais déjà la patate? Ouais, ben, j'ai changé d'idée. Il attend pas que je change d'idée pour te prêter ma carabine. Brassard, il est vraiment imbécile. Je pense bien que c'est pas une bonne idée. Tiens, Pierre, on va voir si t'es aussi bon avec les assiettes à ça. C'est de la chance, rien que de la chance. Paul, replace l'assiette. T'as mon tour! Moi, tu irais pour toi. Va replacer l'assiette. C'est pas juste, OK? C'est pas juste. Je sais, mais on n'a pas le choix. Mes parents ne voudront jamais qu'on en aille une. Chaque fois que j'en parle à mon père, il grigne tout le temps des rideaux. Ouais. Ma main, s'il me permet d'y toucher, Brassard, c'est pas un cadeau. Laisse-moi faire. Je sais comment le prendre. Suis-moi, tu vas voir. Regarde donc ça. Baudette et compagnie. Ouais, je voulais te parler de ça. Pourrais-tu me passer la tienne en attendant que j'aille la mienne? Qu'est-ce qui se passe? Maman veut pas que son petit garçon s'amuse avec des armes? Non. Bon. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me donnes en échange? C'est tout. Rien d'autre. Tu peux encore trouver de l'argent? J'ai pas besoin d'argent. Attends, je vais te prêter ma carabine et même des plombs. Mais pour ça, va falloir que tu me donnes ton couteau. Non! Pas mon couteau! Hey! Je sais qu'on peut s'organiser autrement. Pas question. C'est ça ou rien. Puis si t'es pas content, t'as rien qu'à demander à ta mère de t'acheter une carabine. Elle dit que c'était pas une bonne idée. Oui, mais mon père veut pas que j'en aille une avec 14 ans. Comment tu veux que j'apprenne à tirer? C'est dans 3 ans, 14 ans. Je sais, mais c'est le couteau que ton grand-père t'a donné. Je sais, c'est le couteau que mon grand-père m'a donné. Marché conclu. Parfait. Apporte-la à l'école demain, sans faute. Hey, oui, regarde la brune comme elle mange. Hey, Mariam, est-ce que je peux les nourrir? Ouais, moi aussi, je peux te nourrir. OK, mais pas trop. Thank you.
chacun fit 1% qui était à l'inclusion. On dirait des œufs bien ordinaires. Pas du tout. Elle barre la porte. On est obligé de passer par le poulailler. C'est très drôle. Le plus drôle, c'était l'odeur. Hein, Marie-Ève? Ça va être prêt dans 2 minutes. Je vais aller vous le porter. Bonne idée. Patrick, embarrasse-moi pas comme ça devant Chloé. Elle est pas habituée à ce genre de choses-là, elle. Puis, elle est très sophistiquée. C'est une histoire drôle. Tu trouvais ça drôle avant? Oh, j'arrive pas à croire que tu sois enfin à la tuque. Moi non plus. Tante Thérèse était bien gentille, mais elle aurait pu mourir ailleurs qu'ici, comme en Europe. Oh! Raconte-moi ton année en Europe. Bien. Tadam! 3 belles poutines. Mais qu'est-ce que c'est? De la poutine. J'ai pas faim. Bien, voyons. Tu peux pas visiter la tuque sans manger une poutine. Mange pas toi non plus. J'ai pas tellement faim. Pourtant, t'en manges toujours d'habitude. Vois-tu là? C'est que j'allais le lit, il va pas du tout. Allô? Salut, c'est Patrick. Un instant, je vais voir si ça veut te parler. Tu te parles à Patrick? Oui. Allô? Salut, c'est moi. Salut Patrick, comment ça va? Ah, pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas vu de la journée hier. Me fais-tu confiance? Qu'est-ce que j'entends, là? C'est juste Chloé, là, qui est venue pour me donner des trucs sur les vêtements, là, le maquillage, là. Oh, elle veut tout changer. Elle ne comprendra jamais ça. T'es très bien comme ça. Ouais. Je sais, mais je veux être plus que correcte. Non, non, vraiment. Bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que je fais ce soir? Non, non, non! Bon, je me sens pas très bien. Je pense que je vais rester à la maison. Hey, pour qui qu'elle se prend, elle? Je te reconnais plus, Marie-Ève. Y a pas de classe. Oublie-le. Tu peux lui dire que j'ai tout entendu. À la fois, là. Poussez-vous pas. Touchez à rien, surtout, là. Faites attention à ce que vous faites, puis touchez à rien, j'ai dit. La semaine passée, comme vous le savez, on étudiait le développement embryonnaire des vertébrés. Hein, cette semaine... Silence! Cette semaine, j'ai une surprise pour vous. On va passer de la théorie... à la pratique. De la platitude à la stupidité. Marc, ferme ta trappe. Donc, pour pouvoir être témoin du miracle de la vie,
on va faire la dissection d'un œuf fécondé. Oh, ouais. Afin d'identifier le développement du squelette et des différents organes que le poussin a à nous montrer. Oui, Marie-Ève? Mais monsieur, le poussin va mourir sans nous l'œuf. Bien, en science, Marie-Ève, la dissection, c'est une étape essentielle. Tu l'as-tu apporté? Mais il va mourir. Oui, mais je veux que Mario vienne avec moi. De toute façon, tout est marqué dans nos livres. Marie-Ève, là, la discussion est terminée, là, ça suffit, là. Apporte-le aux bicyclettes. Comme tu sembles s'y intéresser, là. Bien, ma belle, c'est toi qui vas commencer. Fais le tour de la table. Oui. Viens me rejoindre, tiens. Prends ça, là, puis fais le tour. Viens-t'en. Fais pas ta petite vieille, là, hein? Sois forte un peu. Tiens-toi droite. La tête, bon. Regarde ce que tu fais. La précision, Marie-Ève. Hein? Oh non, les enfants, allez chercher de l'eau. Je t'ai dit, j'étais correct. Tu couvres pas. Une maladie, peut-être? Je t'ai dit que j'étais correct. Mes brasseurs, c'est vraiment un imbécile, puis toi, t'es pas mieux. Écoute, excuse-moi. Mario m'a demandé pour aller l'aider ce soir. Pour aller faire le ménage du garage, puis c'est ça. Moi, faut que j'y aille. Salut, à demain. Manger un œuf pour souper. Peut-être même deux ou huit dans une omelette. Qu'est-ce que t'en penses, Baudet? Madame Poulet. Le brasseur, t'as rien qu'une grosse tête d'œuf. Depuis ta bande de chasseurs. Si tu pouvais te tirer une balle dans le pied, ça pourrait peut-être te mettre un peu de plomb dans la tête. La chasse est ouverte. Envoyez. Ouais, les gars. Il touche plusieurs cibles, mais jamais celle qui vise. Montre-lui donc comment faire, champion. Donne-moi ma carabine. Vous êtes trop sérieux, les gars. Regardez bien ça, là-bas. Donne 10 plombs à celui-là qui la touche. T'aurais pu le dire avant? Maintenant, c'est moi qui vais être obligé de tirer le dernier. Ouais.
Même que je vais passer mon tour jusqu'à ce qu'un des incapables que vous êtes réussisse. Tiens, Patrick. Tu l'as juste frôlé. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Pensez-vous que le vétérinaire peut le sauver? Fais pas ta poule mouillée, Baudette. Donne-moi ma carabine, je vais l'achever. Non, le vétérinaire peut le sauver. J'ai dit, donne-moi ma carabine. Ça suffit, Brassard, fait de l'air. Ah oh, oui, qui a dit ça? Moi. Ah oh, oui. Ouais. C'est ça, retourne donc chez ta mère, Baudette. Thank you.
Par ici, mon petit poussin. Marc, arrête de faire le clown. Sois un peu sérieux, puis regarde ce que tu fais. Bon, aujourd'hui, nous allons être en mesure de... de reconnaître le début de la formation des plumes. Tous les os sont maintenant formés et ça commence vraiment à ressembler à un poulet. Attention à ce que tu fais. Si tu continues à doubler, la prochaine fois qu'on rouvre l'œuf, on va avoir une poule au complet. Bon, les travaux sont dus pour le 10, je vous le rappelle. Marie-Ève, Patrick, qu'est-ce que vous faites là? Marc, fais attention. Marc! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Les enfants, faites attention. Soyez attention, les enfants. Attention! Just a fairy tale. When will the story?